tous et à toutes, mes petits vampires, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être mon top 6 de mes mangas préférés. Moi, j'adore les mangas. J'en ai pas plein, mais je vais bientôt créer, en fait, c'est une bibliothèque qui tourne et ça en forme de tour et je vais mettre que des mangas dedans et ça va être la manga co. C'est comme ça que je l'ai appelé. Voilà, manga tour, je sais pas. Il y aura presque que des mangas. Après, comme il y a un grand truc comme ça, je mettrai plutôt des grands livres que je veux garder et je sais pas où les mettre. Donc voilà. Alors désolé, je suis un peu malade. Voilà. Bon, c'est parti. Top 6. Ça va être My Hero Academia. Voilà. Alors, moi je le trouve bien. Là, c'est le tome 1. Voilà. Comme vous le voyez ici. Bah, c'est une école de super-héros, quoi. Non, franchement, c'est bien. J'aime bien. Ça se lit assez facilement. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. C'est bien illustré. Je vais vous mettre une page au hasard. Regardez. Je trouve que ça. C'est bien résulté, de toute façon, le mangaka, c'est un vrai métier. Enfin, ça sera un faux, je ne sais pas. Bon, maintenant, top 5. Qui est Hi? Non, bon là, c'est le tome 3. J'ai le tome 1, mais que j'ai prêté à une copine. Et le tome 2, je ne l'ai pas fini. Et je l'ai oublié. Donc, j'ai préféré faire le tome 3. Donc, qui est Hi? Moi, je l'adore. Franchement, c'est un de mes mangas préférés. Voilà, c'est. Bah, je vais un peu vous raconter l'histoire. C'est en fait, c'est l'histoire entre deux frères, bah, Ki et Hi. Bah, comment ça s'écrit? K-I et H-I. Et en fait, ils vont avoir plein de choses. Le tome 1, ça s'appelle. Relation entre deux frères, je crois. Après, le tome 2, c'est une famille de fous. Et là, le tome 3, c'est les Jeux Olympiques. Et après, le tome 4, je ne sais plus comment c'est parce que je ne l'ai pas. Voilà, donc moi j'adore ce manga. Et là, les Jeux Olympiques, je pense que ça va être un gros manga. J'ai pas fini le tome 2 déjà. Mais ça se lit très, très. C'est gros quoi. Les trucs sont bien faits, ouais. Après, de toute façon, c'est. Et à la fin, l'arme du raffiné, c'est le scénario qui dessine. Parce que sinon, le dessin, c'est Fanny Antini, voilà, qui le fait. Maintenant, on passe au top 4. Day Note, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai pas le manga. Je vais bientôt le lire. Death Note, je trouve qu'il est bien. Franchement, ça va. J'aime bien l'histoire de mort avec son livre. En fait, c'est un peu. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu l'histoire d'un. Comment ça s'appelle, hein, d'un garçon où il y a un cahier et il peut écrire le nom et le prénom de la personne. Et par exemple, mort avec. Avec un manga et dès qu'il a fini d'écrire à quelle heure et quel jour, par exemple le 22 juin, je sais pas moi, 2040, je sais pas pourquoi je dis ça, et ben la personne va être mort voilà. Le 22 janvier, je crois que j'ai dit ça, je sais plus. Mais bon, vous m'avez compris quoi, je pense. Bon, allez, top 3. One Piece. Là, j'adore. Franchement, One Piece, j'adore. Alors, je ne sais pas ce que j'aime le plus entre le manga One Piece et le dessin animé. Bon, ça dépend. Tu préfères regarder un film ou lire? Non, quand même, je préfère le manga. Parce que, voilà, c'est... Au moins, t'as le vrai dessin après... Le dessin animé, c'est vrai que tu l'entends et tout. Mais non, vous inquiétez pas, ça c'est mon portable qui sonne. Je vais le mettre en silence. C'est pas très grave. Tome 2.
3, 2, et c'est bon. Alors, le tome 2, c'est... Je sais plus quoi. Attends, j'ai oublié le tome 2. Ah oui. Non. Bon, je reviens, je cherchais. C'est bon, me revoilà. Déjà, hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est bon, le tome 2, je l'ai trouvé, c'est Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, moi, depuis tout petit, je regardais plus en dessin animé. Les mangas, c'est vrai qu'en manga, il est bien. Il est bien, il est bien. Moi, je l'adore même. Mais bon, je préfère quand même le dessin animé Dragon Ball Z. Même si, voilà. Bon, ça, c'était mes doigts qui sont craqués. Et enfin, le tome 1. C'est One Punch Man. Voilà. Moi, j'adore ce manga. Franchement, One Punch Man, c'est une grosse histoire. Je sais plus combien il y a de tomes en tout. Bon, pour vous résumer, c'est un peu l'histoire d'un héros, en fait, avec un coup de poing en rouge. Enfin, c'est juste son costume. Hein. Et en fait, avec un coup de poing, il peut tuer n'importe quel ennemi. Et donc, en fait, il va chercher un adversaire à sa taille. Et donc, je crois qu'il lui arrivait plein de choses et tout. C'est un peu... bien, c'est trop bien. Bon, c'était la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un gros pouce bleu. Et même si t'aimes les mangas, dis-le-moi en commentaire. J'essaye de sortir une vidéo par jour. Je fais toutes mes vidéos le mercredi. Après, je les enchaîne. Donc, si tu veux rater aucune vidéo et même mes lives, abonne-toi et mets la cloche des notifications. Salut !